comme ça. Je vais en mettre un là, un là, un ici, ça comme ça, voilà, ça, ça, là oui, là d'accord. Quoi? Épaté? Tu peux, tu peux. Ouais. Bon, tu vois, j'aurais juste vu un truc. J'ai merdé. Ouais. Vraiment, j'ai merdé sur un truc. Voilà. Là, on est d'accord. Là, ok. Hein? Alors, il est badass ou pas mon Transformers? Salut tout le monde, c'est Jolate. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique. Avec mon Transformers. Quoi? Vous me croyez pas? Bah pourtant il est là. Bah bien sûr que non, c'est pas moi qui l'ai construit. Avouez, vous y avez cru pendant 2 secondes. Alors non, c'est pas moi qui l'ai construit. Vous savez très certainement qu'il y a eu une mise à jour récemment sur Scrap Mécanique. Donc maintenant on peut avoir accès au workshop. Et on peut dénicher des putains de constructions hyper badass. Comme celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est un truc de malade mental. Vous savez à quoi ça me fait penser? Honnêtement, peut-être ça vous fait penser aussi à ça. Moi, ça me fait penser... Ah, mais arrête de courir, mon vieux. Moi, ça me fait penser à un Megazord dans les Power Rangers. Ça me fait trop penser à ça, c'est un truc de malade. Je sais pas qui c'est qui l'a construit. Moi, je l'ai trouvé dans le workshop. Mais GG à toi. Je dis ça, je sais même pas si c'est un français, je sais même pas s'il verra la vidéo. Mais gros GG quand même, parce que là franchement, il y a du taf, c'est un truc de malade. Donc du coup maintenant avec ce workshop, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais pouvoir aller vous dénicher des putains de constructions hyper badass, telles que celle-là. Ou peut-être des moins badass, mais bien cool quand même. Et puis on va pouvoir faire le tour de ces constructions. Et ça va être bien cool franchement. Alors attention, je vous le dis direct, je vais le poser par terre. Mon PC il va se mettre à trembler, les arbres vont se mettre à tomber. Mon écran risque de se flouter. La totale mon vieux, de la fumée risque de sortir de mes oreilles, je t'explique même pas, ça va être un truc de malade. Regardez, attention, je teste, on le pose par terre. Oh putain, tiens, qu'est-ce que je t'avais dit mon vieux? Oh la construction de malade. Regardez ça, je suis en apesanteur mon vieux, le machin il est en l'air, je suis en apesanteur. Laisse tomber. Regardez ça, comment que c'est un truc de malade là. Je me suis mis en hauteur exprès, il est carrément massif. Bon, on va s'en approcher, bien gentiment, tout doucement, sûrement. Regardez ça, c'est un truc de malade. Et le pire c'est que, oh putain, vous allez voir. Alors ça va être un truc de malade parce que ça risque de laguer un peu. Bon bah tu me diras, je suis pas sûr que ça risque de laguer plus que ça. Bah en même temps, vu la construction, regardez ça. Regardez ça. Voilà, là on se met là. Là on prend celui-là. Regardez le Transformers. Regardez les bras qui se lèvent et tout là. Oh là là, c'est un truc de malade hein. C'est un truc de malade. Regardez, si j'accélère normalement, il bouge un peu les bras. Et il s'envole pas hein. Non mais là par contre je sais pas si vous vous rendez compte les heures de travail que c'est pour construire un truc comme ça. C'est énorme. Oh, attention. On gonfle. Oh, ça y est. On s'envole mon vieux. On s'envole avec. Ah bah non, on se casse la gueule. Le délire mon vieux. Ah bah là mon PC il est en train de surchauffer là. Là clairement mon PC il est en train de surchauffer mon vieux. Je t'explique même pas. Attendez, je vais sortir de là. Bah je suis coincé. Ah mon vieux, je suis sorti de l'engin. Mais alors bien sûr, j'ai pas que celui-là à vous montrer. Mais là par contre c'est le plus gros que j'ai trouvé hein. Là je vous avoue pour le moment c'est le plus gros que j'ai trouvé. Mais je trouverai peut-être des constructions encore plus badass par la suite. Alors j'ai également des constructions un peu plus soft à vous présenter. Mais franchement tout aussi sophistiquées, j'ai envie de dire. Enfin plus soft et tout aussi sophistiquées. Je sais que c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais vous allez voir. Voilà, petite voiture tranquillement. Par contre si je vous montre les connectiques vous allez pleurer. C'est pas un truc de malade. Est-ce que vous devinez ce que c'est là? Là comme ça je vous montre les connectiques comme ça. Est-ce que vous devinez à peu près ce que c'est? Je vais vous donner un petit indice, on reste dans le thème des Transformers. Vous allez voir, je vais vous montrer ça, ça va être un truc de malade. Alors je crois que celle-là aussi, je vais la poser par terre, ça reste de laguer. C'est super bizarre que quand les trucs ils sont sur des lifts, ça lague pas. Et dès que c'est par terre, crac! Vous voyez? Pourtant cette construction elle est moins massive que l'autre. Mais par contre, elle a beaucoup beaucoup de connectiques. Regardez, on va rentrer à l'intérieur, tranquillement. J'ai même pas roulé avec. Ah bah elle roule et tout, hein, nickel hein. Oh là là, par contre comment que ça rame, c'est un truc de malade. Vivement qu'ils optimisent tout ça, Scrap Mécanique. Ce serait pas mal franchement. Attention, on va la transformer. Bon bah ça tombe bien parce que vous allez voir ça au ralenti.
J'espère que ça va pas cracher. Regardez. Regardez le truc de malade. Regardez ça, franchement. Regardez ça. C'est un truc de malade. Attendez. Ah, c'est pas fini? D'accord. Ah, ça se transforme carrément en chien. Si on appuie sur 2. Regardez. J'appuie sur 2. Regardez, il a ouvert la gueule, là. Alors, c'est 5. Ah! Et 5, il se met à avancer. Il va se casser la gueule, mon vieux. Ah ouais, c'est un chien, ouais, ouais. Oh là là, comment ça déchire. Ça déchire. Par contre, qu'est-ce que ça rame? C'est chaud, quand même. Je vais essayer de le reconstruire en voiture. Donc, 2. Voilà. Et donc, 1. Et franchement... Une construction comme ça, faut la penser. Faut la penser quand même, une construction comme ça. Oh là là, regardez ça. Et voilà, et on est revenu à peu près en mode voiture. Bon, arrêtons le massacre, on va la mettre sur le lift. Voilà, impeccable. Vous avez vu dès que je la mets sur le lift? Bon, c'est pas fini, on va rester dans la lignée des Transformers. J'ai encore une autre construction à vous montrer. C'est encore un truc de malade. Bon, c'est pas le gros Transformers qu'on a vu au début. Mais franchement, GG. Je vous montre celle-là. Donc, pareil, c'est une petite voiture qui a pas l'air spécialement de payer de mine, quoi. Voilà, par contre, celle-là, tranquille. Elle lag pas, rien. Alors attendez, regardez, parce que je vous dis, on reste dans la ligne des Transformers. Regardez bien ce que ça fait quand j'appuie sur l'interrupteur. Attention, c'est parti, 3, 2, 1. Vas-y, fais péter, mon vieux. Regardez, regardez, c'est pas fini, hein, regardez. Regardez ça. Hein? Et regardez ça, on a un petit robot, là, avec ses yeux, ses bras, ses oreilles, là. Franchement, c'est excellent. Bon, par contre, il peut pas se déplacer quand il est en mode robot. Mais voilà, on reste dans la lignée des Transformers. Et merde, il se délire. Par contre, lui, il a un truc que les autres, ils ont pas, mon vieux. Ah ouais, et il y a pensé, franchement. Et là, moi, je dis GG, mon vieux. Regarde ça, c'est un truc de malade. Tu as un truc de malade, écoute. Hein? Hein? Alors? Il est pas mal, hein? Ah, franchement, il est bien, son klaxon. Moi, j'aime bien. Regarde. Je la remets en bagnole. Ouais, franchement, faut les penser, les constructions comme ça. Faut les penser. Faut carrément les penser. Oh, mais tu sais, un jour que je m'agace bien, t'inquiète pas, moi je te fais un Transformers 3 fois plus gros que le premier qu'on a vu là. T'inquiète, t'inquiète même pas. Alors, je te le fais, moi, et puis le mien, il volera, mon vieux. Il volera, il marchera, il courra, il fera tout ce que tu veux, mon vieux. Alors, il fera le café, la cuisine, tout. Alors, on va rester dans la lignée des Transformers. De toute façon, cette vidéo, ce sera la spéciale vidéo Transformers. Eh ouais, t'inquiète. Alors, celle-là, c'est pareil, je l'ai essayé. De toute façon, tous les véhicules que je vous présente, je les ai essayés. Mais je me souviens plus ce qu'il fait, celui-là. Ouais, c'est genre un petit char. Mais il me semble qu'il se transforme, celui-là aussi. Regardez, il peut tourner sans bouger les roues. Je crois que c'est avec ce système d'amortisseur derrière, regardez. Dès que je tourne, il y a un amortisseur qui fait un espèce de truc. Alors maintenant, regardez, pareil, celui-là, il a l'air de rien. Ça a l'air d'être, je sais pas, on dirait, j'en sais rien. Ça ressemble pas à grand-chose comme ça, spécialement. Mais regardez, quand on va appuyer sur 1, attention, vous êtes prêts? C'est parti. Regardez. Eh, il déchire pas. Ah, par contre, il était pas censé se casser la gueule. 2, ça fait quoi? Ah ouais, je m'en souvenais plus de celui-là, mon vieux. Oh, excellent. Putain, je me souvenais plus de celui-là. Attends, non, 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 non. Non, lève-toi. Arrête. J'ai tout pété. Attends, on va essayer de se remettre en mode voiture. Oh, excellent. Trop fort. Trop fort, franchement. Ah ouais, là, moi, je dis GG. Alors, attends. 1. Voilà. Le 1, il se casse la gueule en arrière. Et le 2, c'est pour le relever, normalement. Oh là là, eh, c'est pensé, franchement. C'est bien pensé, hein. Là, je dis GG aussi. Un gros GG. De toute façon, un gros GG pour tous les véhicules que je vous présente, là. Voilà, il y a du lourd, franchement, il y a du lourd. Regardez ça. On dirait un Pokémon, le bordel, mon vieux. Hein? Comment il s'appelle le Pokémon, là? Le Pokémon insecte, là, franchement, là. Il déchire, là, il ressemble à une sauterelle et tout. Non, franchement, il est bien. GG. Très bien, toujours dans la lignée des Transformers, on va prendre un autre véhicule. Voilà, petite voiture qui paye pas spécialement de mine. Voilà, petite voiture tranquille. Qu'est-ce que ça fait si on appuie sur 1? Alors, celle-là... Celle-là, je sais plus si elle se met debout. Je crois pas qu'elle se met debout, celle-là. Regardez.
Regardez, mais c'est quand même un truc de fou. Hein. Ah si, si, si. Attends. Non, je sais plus. Est-ce que... Parce que de toute façon, pour celle-là, on n'a qu'un interrupteur. Ah si, elle se met debout. Si, si, regardez. Regardez. Avec... avec le Pokémon insecte derrière, là, qui déchire, là. Oh là là. Regardez, franchement. Ça déchire, hein. Ah, ça s'abaisse et tout. Non, franchement, ça déchire. GG. Bon, par contre, il se déplace pas. C'est un peu dommage. Ah si, il se déplace quand même un petit peu. GG. On va le remettre en mode voiture. Pour voir ce que ça fait. Ah, franchement, pareil. C'est super bien pensé. Franchement, t'as des gens, des fois, ils ont de ces idées dans les constructions. GG. Et le dernier véhicule, je l'ai gardé pour la fin parce qu'on sort un petit peu de la lignée des Transformers. Mais franchement, je l'ai trouvé bien aussi. Je l'ai trouvé même excellent. C'est une sorte de bécane. Donc, je dis on sort de la lignée des Transformers. Pas vraiment. Pas vraiment. On sort pas vraiment de la lignée des Transformers, mais... Vous allez... Merde! Pourquoi ça marque... J'ai pas compris. Là, nous revoilà sur la bécane. Regardez comment qu'elle est bien aussi, franchement. Elle est stylée. Mais regardez, c'est pas tout. Regardez si j'appuie sur 1. Hop. Petit cockpit qui se met en place. Et regardez si j'appuie sur 2. Attends, merde. Oh, ce délire. J'ai tout pété, mon vieux. Voilà, regardez quand on appuie sur 2. Attention, on va passer à la vitesse de la lumière. C'est parti, mon vieux. Puissance patate. Et regardez, là, c'est un peu un espèce d'avion. Voilà. Franchement, il est stylé, hein. Il est carrément stylé. Ah, je l'ai trouvé super stylé, moi. Voilà, et on rappuie sur 2. On passe en mode véhicule terrestre. Tranquille. Et franchement, il est stylé. En fait, ça joue juste avec l'inclinaison des fusées. C'est tout. Regardez, je vais vous refaire un petit tour en mode position 2, là. En mode position, fait péter la fusée. Regarde. Regarde ça. Regardez, ce délire. Ouais, j'ai tout pété, mon vieux. Regardez ça. Regardez. Hein. Oh là. Regardez. Là, on va essayer de décoller. Hop là, vas-y, décolle. Décolle, décolle, décolle. Décolle. Voilà, on a décollé, tranquille. Bon, très bien, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous le montrer quand même une dernière fois parce que franchement, il est super badass. C'est un truc de malade. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, bah, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager. Et puis, j'essaierai de vous dénicher d'autres constructions bien sapatoches. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bye.